On ne peut pas dire que YouTube manque de vidéos promettant des gains astronomiques et des perspectives de rendement irréalistes qui invitent les spectateurs à investir dans tel ou tel projet douteux. L'épisode des analyses crypto d'aujourd'hui est dédié à ces arnaques, ou scams en anglais, et aux meilleures façons de s'en prémunir. Certains de ces pièges sont peu sophistiqués et faciles à éviter, tandis que d'autres sont beaucoup plus subtils et menacent de devenir quasiment indétectables pour des utilisateurs lambda, grâce à des technologies comme le deepfake, qui permettent de créer des voix, photos ou vidéos de toutes pièces, et ce, de manière de plus en plus convaincante. On va de la fraude 419 adaptée à la crypto, c'est-à-dire l'arnaque du prince héritier nigérian, à des formes avancées de harponnage, d'ingénierie sociale et d'usurpation d'identité, en passant par des montages financiers, comme on l'a vu avec la plupart des ICOs frauduleuses de la période 2017-2018, dont certains d'entre vous d'ailleurs se souviennent sans doute. Nous allons nous efforcer, au cours des prochaines minutes, de vous proposer quelques clés qui vous permettront d'éviter les nombreux écueils qui menacent votre portefeuille, et utiliser des cas concrets pour étayer nos propos. Nous espérons que cette vidéo permettra à certains d'entre vous d'éviter de perdre tout ou partie de votre capital. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Tout d'abord, quelques considérations générales. Selon l'analyste financier et auteur Brian Portnoy, la compétence la plus importante à développer en tant qu'investisseur particulier est la circonspection et la capacité à protéger son capital. Paradoxalement, pour faire fructifier son argent, mieux vaut patiemment garder la balle en jeu que d'essayer de faire des services volés comme Federer ou de frapper des passing shots en fond de court comme Rafael Nadal. En d'autres termes, mieux vaut être excessivement prudent et rater de bonnes opportunités qu'être excessivement optimiste et dilapider son capital. Le développement fulgurant de l'industrie crypto et l'arrivée sur le marché de nombreux néophytes ne sachant pas ce qui constitue un retour sur investissement réaliste est un terrain fertile pour les vendeurs de rêves. Les quelques années passées font montre d'une explosion du nombre d'arnaques visant à exploiter l'appétit insatiable des particuliers pour des gains rapides et vertigineux. La plus élémentaire d'entre elles est le giveaway scam, ou arnaque au don en français. En général, elles prennent place sur un réseau social, comme YouTube ou Twitter. L'escroc usurpe l'identité d'une personne connue, comme Elon Musk, Michael Saylor ou Vitalik Buterin par exemple, et promet à ceux qui envoient des cryptos à une adresse donnée d'augmenter leur mise, souvent soi-disant pour fêter quelque chose. Cette promesse est le plus souvent assortie d'une contrainte temporelle pour pousser la victime à agir impulsivement. Dans certains cas, les pirates parviennent à prendre contrôle du compte officiel de la célébrité, ce qui rend l'arnaque plus crédible pour un public non averti. Ceux-ci utilisent souvent des bots qui prétendent en commentaire être des particuliers ravis d'avoir reçu des cryptos gratuitement. Ces arnaques, en dépit de leur simplicité, sont extrêmement lucratives et ont déjà permis aux pirates de voler des centaines de millions de dollars à leurs victimes. Elles fonctionnent particulièrement bien avec les crypto-monnaies car l'immutabilité des blockchains rend la saisie des fonds volés bien plus difficile qu'avec de la monnaie fiat. Pour vous en prémunir, méfiez-vous de ce qui est trop beau pour être vrai. Ces dons sont des arnaques dans 99,999% des cas. Si vous avez des doutes, essayez de trouver si la page à partir de laquelle vous avez obtenu le lien présente des signes préoccupants. Si elle a été créée récemment ou si elle a très peu d'abonnés ou de followers, vous pouvez être sûr que c'est une arnaque. Si ce n'est pas le cas, la prudence reste quand même de mise car il s'agit probablement d'un piratage. Ces giveaway scams sont parfois associés à des pratiques de phishing, ou hameçonnage en français. Cette méthode consiste à envoyer à la victime un lien vers un site frauduleux, à partir d'un réseau social, d'un email ou d'un message sur une plateforme comme Telegram, WhatsApp ou Discord par exemple. Dans certains cas, le pirate a déjà eu accès à des informations spécifiques sur la victime, ce qui lui permet de la cibler plus précisément. C'est ce qu'on appelle le harponnage. C'est arrivé notamment à l'entreprise française de hardware wallet Ledger, dont la liste de clients a été piratée. Au cours des mois suivants, certains de ses clients ont reçu des emails ciblés, se faisant passer comme émanant de l'entreprise, et leur disant que leur Ledger avait été compromis et qu'il fallait qu'ils règlent le problème en divulguant des informations confidentielles à un site frauduleux. Ces tentatives de phishing ciblées sont plus rares, mais plus sérieuses car plus difficiles à déjouer. Vous pourrez sans doute trouver des exemples de tentatives de phishing basiques vous incitant à contacter un numéro WhatsApp ou un compte Instagram dans les commentaires de cet épisode, car l'algorithme de détection des bots de YouTube est extrêmement mauvais.
Si vous cliquez sur un lien frauduleux, ce que nous vous déconseillons de faire, vous serez renvoyé vers un site qui ressemble à une page légitime et dont le but est de vous soutirer des informations confidentielles. Voici quelques recommandations pour éviter le hameçonnage. Utilisez un email différent pour vos comptes crypto et pour vos opérations quotidiennes. Utilisez une liste blanche pour vos transactions si possible. Cela empêchera un potentiel pirate de disposer immédiatement de vos fonds s'il a accès à votre compte sur un exchange ou à votre wallet. Utilisez l'authentification à deux facteurs et prenez garde aux services qui ne la proposent pas. Utilisez le code anti-phishing si disponible et vérifiez sa présence dans chaque mail officiel envoyé par votre exchange. Évitez de garder toutes les cryptos au même endroit et privilégiez un cold storage à un exchange. Si vous voulez en apprendre plus sur les moyens de mettre sa crypto en sécurité, nous avons fait un épisode à ce sujet que nous vous invitons à consulter. Ne communiquez jamais votre phrase de récupération et ne l'entrez à aucun prétexte sur un support numérique. Faites une recherche internet pour accéder à votre exchange ou à votre wallet plutôt que de cliquer sur un lien pour vous préserver des attaques basées sur des noms de domaine homographiques. Soyez particulièrement vigilant si vous recevez un email d'une adresse nouvelle et contenant des fautes d'orthographe. Utilisez un service de détection des sites frauduleux comme Checkfish.ai. Nous nous excusons si certaines de ces recommandations vous semblent tomber sous le sens, mais nous préférons en faire l'inventaire. Selon un article de la firme de cybersécurité Akamai intitulé « Chatbot, célébrité et reciblage de victimes », les raisons pour lesquelles les arnaques aux dons de crypto ont encore un fort succès, le phishing est un business florissant, au point que des acteurs mal intentionnés peuvent se procurer des kits d'arnaque sur le Deep Web pour déployer facilement des sites frauduleux. En janvier 2023, l'Agence européenne de police criminelle Europol a fait une investigation internationale menant à la fermeture de plusieurs centres d'appels illégaux en Serbie, en Bulgarie et à Chypre, dont le but était d'amener les victimes, principalement allemandes, à investir dans des projets crypto frauduleux. C'est un business juteux pour des groupes criminels hautement organisés et qui leur rapportent des millions. Il est intéressant de constater que selon la firme Chain Analysis, le chiffre d'affaires de ces entreprises illégales augmente pendant les périodes où le marché est en hausse. En 2021, année haussière, Chainalysis estime que le chiffre d'affaires total de la fraude a été d'environ 10,9 milliards de dollars, contre 5,9 en 2022, soit près de moitié moins. L'explication de ce phénomène est sans doute multifactorielle. Mais il serait surprenant que l'arrivée sur le marché haussier d'une cohorte de nouveaux entrants souvent naïfs, euphoriques et sous-informés n'y soit pas pour quelque chose. Quand l'adoption augmente, le niveau de sophistication de l'utilisateur médian descend mécaniquement. Comme le dit Warren Buffett, si vous jouez au poker depuis une demi-heure et que vous ne savez pas qui est le pigeon, c'est que le pigeon, c'est vous. Depuis l'explosion du yield farming en 2020 et 2021, cette citation a été adaptée à la crypto. Si vous utilisez un service et que vous ne comprenez pas d'où le rendement vient, c'est que le rendement, c'est vous. Cela nous amène aux nombreux autres stratagèmes utilisés par les escrocs pour faire tourner la tête des investisseurs particuliers peu avertis, puisque l'arnaque aux dons n'est qu'un narratif parmi d'autres utilisé par les scammers. En 2022, toutes les arnaques les plus lucratives du top 10 ont été des opportunités d'investissement frauduleuses. Le schéma de Ponzi TheHyperverse.net arrive en première position avec quasiment 1,3 milliard de dollars de gains. Outre des options de rendement délirantes avec 300% de retour sur investissement, le site proposait aussi des options de cloud mining, c'est-à-dire de soi-disant minage à distance, ce qui est une arnaque classique qui existe depuis une dizaine d'années et un drapeau rouge fiable. Tous ces projets, qui proposent des services trop beaux pour être vrais, sont à fuir absolument. Un autre narratif qui a été beaucoup utilisé est de faire miroiter aux investisseurs des profits grâce à un bot ou à un algorithme de trading censé pouvoir extraire de la valeur de la volatilité du marché. Ces projets sont systématiquement des arnaques, dont la plus tristement connue est BitConnect. La deuxième arnaque la plus lucrative de 2022 selon Chainalysis est YieldNodes.com, qui de manière analogue à un service de cloud mining, proposait à ses victimes d'investir dans des validateurs preuve d'enjeu, ou masternodes, censés faire du rendement sans risque. Le service YieldNodes.com est un cas pratique assez intéressant, puisqu'ils ont utilisé tous les stratagèmes standards pour dépouiller leurs utilisateurs, on devrait dire leurs victimes, pendant le plus longtemps possible. On va regarder ce projet d'un petit peu plus près, car la meilleure façon de développer son esprit critique pour ne pas se faire avoir par ces arnaques est de se familiariser avec leur rhétorique fallacieuse en la passant à la loupe.
Premier drapeau rouge. YieldNodes prétend générer des revenus à partir de Masternodes, qui seraient extrêmement techniques à maintenir, et de partager ces revenus avec les investisseurs. C'est un business model qui semble plus adapté à des investisseurs institutionnels qu'à des investisseurs particuliers, mais on ne nous donne pas plus d'informations à ce sujet. Si on peut générer des revenus aussi facilement, pourquoi ne pas se faire financer par des VCs ? Réponse. La raison pour laquelle ils cherchent à courtiser les investisseurs particuliers est parce qu'ils sont en général beaucoup plus faciles à berner, et que c'est ça leur véritable business model. Deuxième drapeau rouge. Investir dans ces soi-disant masternodes force les investisseurs à devoir attendre 6 mois avant de pouvoir retirer tout profit, mais aussi leur investissement de départ, car on nous explique qu'il faut du temps pour unstaker les masternode coins, en faisant une analogie fallacieuse avec le blocage des fonds sur Ethereum 2.0. Les investisseurs sont d'autre part incités à laisser leurs fonds, entre guillemets, fructifier sur la plateforme par des taux composés mirobolants et par des promotions qui alimentent leur FOMO. Le site induit les investisseurs en erreur en les faisant rêver à l'aide d'une interface plaisante et gamifiée qui fait monter leur PNL en flèche. Troisième drapeau rouge. YieldNodes promet à ses utilisateurs un taux de rendement mensuel moyen de 10% grâce à la magie du staking et des masternodes sur des tokens qui ne sont listés sur aucun exchange sérieux. Un rapide calcul, 1.1 puissance 12 multiplié par 100, nous montre que ça revient à proposer plus du triplement de la somme de départ chaque année. Toute personne ayant un minimum de jugeote sait qu'il n'existe pas d'investissement qui puisse produire de tels rendements sur le long terme d'une manière peu risquée, ce que le site prétend offrir. Comme le dicte le principe de Sagan, des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. La promesse d'un tel rendement est une affirmation extraordinaire. Et si l'on est rationnel, on doit partir du principe qu'elle est mensongère, à moins d'avoir fait une étude approfondie de la plateforme et de son business model sans trouver de pépins. Si l'on se place du point de vue de l'escroc, on comprend pourquoi il est incité par le marché à faire miroiter à ses potentielles victimes des rendements aussi irréalistes. Pensez-y, si l'escroc promet des rendements plus faibles, par exemple de 10% par an, l'investisseur averti se méfie tout de même, et l'investisseur naïf n'est pas séduit, il préfère se faire avoir par un autre schéma de Ponzi. D'un autre côté, si l'escroc promet de doubler la mise de sa victime tous les jours, même l'investisseur le plus idiot doit se douter qu'il y a un lézard, et encore, on n'est pas totalement sûr. En pratique, l'escroc doit trouver le point d'équilibre qui lui permet de flatter l'appât du gain du plus d'investisseurs crédules possible, tout en évitant au maximum d'éveiller leurs soupçons. Ceci explique la raison pour laquelle les taux de rendement promis par beaucoup de services crypto se sont envolés entre 2020 et 2021. D'une manière qui paraissait folle et impossible à soutenir sur le long terme pour de nombreux investisseurs sceptiques qui, il se trouve, avaient d'ailleurs raison. Cette course entre différents services a contribué à la bulle qui a commencé à exploser à partir du deuxième trimestre de 2022. Quatrième drapeau rouge. YieldNodes se pare des oripeaux de la respectabilité en singeant des protocoles sérieux. Ils publient des documents techniques, se vantent de leur succès passé et de leur performance antérieure, de collaborations et de récompenses censées les crédibiliser, et de leur approche soi-disant sérieuse et axée sur la sécurité. Ils prétendent être transparents, ce qui n'est en réalité pas le cas, ils mettent en scène un audit putatif et utilisent un jargon vague et captieux qui utilise au maximum, et à tort et à travers, des mots comme décentralisation, utilité et responsabilité. Ils n'hésitent pas non plus à enjoliver la réalité en parlant de leurs multiples équipes de professionnels dédiées à chaque aspect de la crypto-économie et au fait qu'ils ont même employé un économiste pour structurer les incitations de leur système. Évidemment, il est impossible de trouver sur leur site le moindre détail sur cette équipe de développeurs qui semble être plus évanescent que Satoshi lui-même. À la place, on a le droit à un exemple médiocre de copywriting qui devrait à lui seul décrédibiliser totalement le projet. En creusant un peu, la réalité apparaît assez rapidement. Le chef du projet, Stefan Hermann, dont le nom entier n'est pas toujours associé à la plateforme, est un professionnel du marketing et a été associé au développement d'un bot Forex appelé FabTurbo ainsi qu'à un robot de paris sportif appelé Z-Code Systems, selon des informations sur sa propre page LinkedIn. Il ne semble avoir de lien avec aucun entrepreneur ou journaliste crypto un tant soit peu sérieux, et ses interventions sur les réseaux sociaux sont très peu suivies. Cinquième drapeau rouge, YieldNodes utilise des influenceurs et des bots en commentaire pour donner une impression de sérieux et pour cultiver l'illusion d'une communauté à laquelle ils font sans arrêt référence, une pratique nommée astroturfing. En réalité,
La communauté de victimes qui leur ont envoyé des fonds est muselée au maximum pour éviter les critiques. Lorsque ces critiques sont devenues impossibles à ignorer, le patron de Yield Nodes n'hésite pas à blâmer la situation du marché et les frais de gaz. La situation géopolitique et économique négative, les exchanges qui leur mettraient les bâtons dans les roues, et même les utilisateurs soi-disant trop cupides. Il se base sur ces déboires pour justifier un gel des retraits censé être temporaire. Il a aussi été proposé aux utilisateurs souhaitant retirer leurs fonds la possibilité de les avoir sous forme d'un NFT censé avoir la valeur de ces fonds, mais en pratique totalement illiquide et impossible à vendre. Sixième et dernier drapeau rouge. Yield Nodes a utilisé des narratifs de long terme pour vendre du rêve à leurs membres et pour faire en sorte qu'ils restent investis dans le protocole. C'était leur fameuse décennomie, censée créer de l'utilité et faire monter le prix des jetons. C'est une pratique qui a beaucoup été utilisée dans les projets NFT frauduleux par exemple, où la chute de la valuation des actifs n'est pas aussi rapide et claire qu'avec un token. C'est ce qu'on appelle un slow rug, un vol lent. Fin 2021, bon nombre de projets NFT douteux mettaient en ligne des roadmaps censés faire culminer leur travail sur un jeu vidéo GameFi ou un Metaverse, terme très en vogue à ce moment et donc prompt à attirer les investisseurs. Pour en revenir à Yield Nodes, une fois que le projet a fait faillite en octobre 2022, ils l'ont rebaptisé Yield Nodes Pro en disant qu'ils comptaient pivoter l'entreprise vers un autre business model en investissant dans des projets hétéroclites, comme par exemple de construire un phare à Sao Tome en Afrique. À ce stade, il devrait être clair que le projet est totalement frauduleux et que ces nouveaux narratifs ne sont que des tentatives désespérées de convaincre les investisseurs les plus naïfs. Yield Nodes est un cas d'école. Et nous avons passé quelques minutes dessus car il donne une illustration concrète de tous les signes qui devraient éveiller votre méfiance lorsque vous évaluez un projet crypto. Que l'on parle d'un projet DeFi, d'un projet NFT ou d'un service centralisé, les méthodes et le discours sont sensiblement les mêmes. En l'espèce, il est fascinant de constater qu'une arnaque si grossière, qui ne résiste pas à 2 minutes d'examen critique sérieux, ait pu générer plus de 340 millions de dollars de bénéfices pour ses créateurs. Force est de constater que les schémas pyramidaux, de Charles Ponzi lui-même à Do Kwon et en passant par Madoff, ont encore de beaux jours devant eux. Les détracteurs du Bitcoin et des cryptos les critiquent souvent en utilisant l'argument que c'est une technologie qui facilite les arnaques. Quelque part, ils n'ont pas tort. C'est l'envers de la médaille d'un moyen d'échange sans tiers de confiance, qui est un outil responsabilisant, par opposition à la monnaie fiat, plus infantilisante et paternaliste. On ne peut pas avoir de véritable liberté monétaire sans responsabilité, ni sans prendre le temps de s'éduquer sur le fonctionnement de l'outil qu'on utilise. Il faut néanmoins préciser que depuis juillet 2021, les scammers reçoivent leurs gains majoritairement en stablecoins, et non pas en Bitcoin ou en Ethereum. Les avantages des cryptos en termes d'irréversibilité des transactions, de traçabilité relativement difficile et de dérégulation sont exploités par les escrocs qui utilisaient auparavant d'autres méthodes pour soutirer de l'argent à leurs victimes. Par conséquent, les crypto-monnaies sont de plus en plus utilisées dans des arnaques au long cours, appelées « pig butchering scams », littéralement « arnaques d'abattage de porc », qui ont par ailleurs toujours existé. Ces arnaques sont basées sur la création progressive d'une relation de confiance avec la victime. C'est l'engraissement du porc, par analogie, suivi d'une ou plusieurs tentatives d'extorsion ou l'abattage du porc. Ce type de fraude, demandant un investissement temporel plus grand de la part de l'escroc, n'est pas celle qui génère le plus d'argent de manière absolue, mais c'est celle qui est la plus extractive par victime. Selon Chainalysis, la victime d'un pig butchering scam en 2022 s'est faite dérober en moyenne 15 559 dollars contre 1834 pour la victime d'un giveaway scam, soit presque 10 fois plus. Ces arnaques prennent le plus souvent la forme d'une escroquerie sentimentale, où le fraudeur cultive une relation amoureuse avec la cible afin de lui demander de lui envoyer de l'argent ou d'investir dans un projet douteux. Elles sont particulièrement destructrices car elles visent le plus souvent des personnes isolées et fragiles, qui ont beaucoup de mal à admettre qu'elles se sont faites prendre au piège. Les progrès récents de la génération de texte et de la synthèse d'images, de voix et de vidéos sont de mauvais augure, car ils vont permettre aux escrocs de mettre au point des arnaques plus convaincantes, plus facilement et plus rapidement. En fait, c'est déjà le cas. Selon un article d'Euronews, des deepfakes audio ont déjà été utilisés pour extorquer des particuliers.
Ceux-ci ont reçu un appel téléphonique contrefait d'un des membres de leur famille leur demandant de l'argent en catastrophe. Ces arnaques sont malheureusement vouées à se multiplier et elles seront probablement de plus en plus difficiles à identifier pour l'utilisateur lambda. La recrudescence de la fraude en ligne liée de près ou de loin au secteur crypto commence à susciter des réactions dans le secteur public comme dans le secteur privé. Fin mars 2023, l'Assemblée nationale a voté en faveur d'une interdiction de la promotion du secteur crypto par les influenceurs français, dans le but de réduire le nombre de victimes de ces arnaques, suite à la promotion de multiples fraudes par des influenceurs rapaces, dont l'inénarrable Nabila. On peut citer d'autre part l'émergence d'entreprises et de particuliers menant des enquêtes approfondies on-chain pour tracer des fonds volés et retrouver les perpétrateurs. ZachXBT, sur Twitter, a permis de débusquer de nombreux escrocs, mais aussi de retrouver des hackers parvenus à pirater des protocoles pour en extraire des liquidités. Chainalysis est une entreprise américaine qui, de la même manière, épluche les blockchains pour retrouver des indices de malversation, et dont les articles et les statistiques nous ont été utiles lors de la rédaction de cet épisode des analyses crypto. Il faut encourager le développement de telles initiatives, qui permettront sans doute de mieux protéger les particuliers que des interdictions bannissant le contenu crypto sans distinction entre messages promotionnels, éducatifs ou frauduleux. Merci d'avoir écouté cet épisode des analyses crypto de MoneyRadar. Nous espérons qu'il vous aidera à naviguer les eaux troubles de l'écosystème. Si nous devions le résumer en une formule concise, nous dirions simplement « Développez votre sens critique, informez-vous, ne vous laissez pas aveugler par l'appât du gain » et méfiez-vous de ce qui est trop beau pour être vrai. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. À bientôt sur MoneyRadar Crypto.